Hey tout le monde, c'est Jonathan. On se retrouve dans la pièce dans laquelle on s'est reposé, ouais, clairement, on s'est reposé. On a une petite barre verte, puisque rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous étions fait poignarder presque en plein cœur. Hein, presque. Parce qu'on aurait cru qu'il se serait pris dedans. Mais en fait, il a dû se le prendre juste en haut, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas mort. Bref, on s'en bat les couilles de mes explications en fait. C'est Ce qu'on veut, quoi cet c'est endroit? avancer dans l'histoire. Alors là, on est dans une petite maison. Maison en apparence normale. Oh tiens, les seringues. Seringues médicales, on ne connaît pas l'origine de la substance qui contient ces seringues, mais elles restaurent modernement la santé. Utiliser un objet. Ah bah c'est exactement les mêmes touches que dans le 1, ça c'est bien ça. Attribut des raccourcis. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Donc la seringue, moi je la mettais vers le bas. Et du coup, je l'utilise puisque j'ai plus de vie. Et là, bah là, je suis carrément restauré. Là. Pas entièrement, mais pas mal. Est-ce que je peux me prendre une petite bière, non? Une petite bière, ça peut restaurer aussi, non? Non? Bon bah, ah, attends. Il y a un journal, on peut pas ramasser, non? Par contre, on peut ouvrir la porte, peut-être. Oui. Une note. Journal de la maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leurs âmes et de la mienne. Donc apparemment, quelqu'un était ici. Peut-être un agent. Un fichier a été ajouté. Appuyez sur ça et rendez-vous dans le fichier pour les. Oh, on a une map et tout, carrément. Planque, miroir, cafetière, établi. Ah, carrément. Ah, là, c'est une map ouverte, quoi. C'est GTA le truc. Alors, on a du coup les missions. Mission chapitre 2, quelque chose cloche. Chercher les membres de l'équipe de sauvetage de Mobius. Ok, ça n'a pas bougé, ça. Et je n'ai qu'un couteau, hein. Super. Ok. Bon, de toute façon, les deux premières vidéos, vous allez voir, hein, je vais pas mal traîner dans les menus. Je vais pas mal fouiller tout ça. Parce que je connais pas bien. Mais une fois que je serai rodé, tac. Oh, bien. Je l'avais pas vu. T'étais où quand j'avais besoin de toi? C'est vrai. C'est-à-dire tout à l'heure. Ok. Une forêt. C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle était prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa, et Mira n'a jamais été aussi belle. Dans quoi je me suis embarqué? Ah, tiens, Kidman. Kidman. Je sais pas, mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fait chier, c'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Ah, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Choisir une arme du menu. Alors, on va s'équiper. Tac! Bon, je me sens un peu plus rassuré maintenant que j'ai une arme. Ah, par contre, je peux pas frapper sur Y. Ah, Ouh. le pauvre m'a abandonné là, à pourrir. Un peu penser à Resident Evil. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite petite nuit tranquille. J'avoue. Ouais. Un peu trop tranquille. C'est le début de Resident Evil 4, ça. Dans la forêt. Tac, tu vas rentrer dans la maison. Oh! Hey, oh. T'es pressé, lui. Je ferais mieux d'aller voir. Non.
non, non, c'est une mauvaise idée. C'est juste quelqu'un qui avait envie de faire caca, il était pressé, c'est tout. Pourquoi tu veux regarder? Laisse les gens faire leurs besoins, mon gars. Y a quelqu'un? Doit manger. Finis ton assiette. Doit manger. La peau sur les os. Oh là là, c'est dégueulasse. J'ai dit, mange. Et voilà. C'est une malade, elle. Non, 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 non. C'est quoi ça? Non, 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 non. Oh non. Et c'est reparti. What? Ah non, non, non. Oh shit. Wow, 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 wow. Alors frère, attends. J'aurais peut-être dû activer l'aide à la visée. Calmez-toi, hein. Il a l'air beaucoup plus résistant que... Attends, bah tiens, examinez. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Ouais. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Mais alors, mon Pity, t'as pas mangé les épinards? Ah bah oui, hein. C'est vraiment dégueulasse, en tout cas. Ça doit fouetter la mort. Il y a une petite télé qui est allumée, je sais pas s'il y a un... Ouais, regardez. Ah non, c'est juste on l'éteint, d'accord. Je pensais qu'il allait y avoir un truc. On va peut-être monter à l'étage. J'espère qu'il n'y a pas le père qui dormait. Ouais, déjà, il y a une trace de sang, là, j'aime pas trop. Ah ouais, il a dû prendre cher. Il y a pas que au repas qu'il a pris cher le fils. Il a dû se faire bien fouetter dans sa chambre aussi. Poudre à canon, un mélange d'explosifs composé de composants peut être utilisé pour fabriquer des munitions. Ah, c'est pas mal ça. Il y a de la poudre à canon, ça c'est un nouvel objet qui n'existait pas avant. Est-ce qu'il y a pas quelque chose derrière le fauteuil? Non. Mais par contre, on dirait qu'on peut le déplacer, non? Ouais, ouais, ouais. Ah non, putain, c'est la petite flèche qui m'a dû en erreur, encore une fois. On peut se cacher sous le lit? Comme dans le 1, non? Bon. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a qu'une chambre. Et ça, elle est condamnée. On va pas déranger, allez, on se barre. Merci pour votre hospitalité, madame. C'est très aimable. La nourriture était excellente. Alors, on va continuer. On arrive à un croisement. Oula, oula, oula. Tremblement de terre ou quoi? Nouveau didacticiel a été ajouté. RT, attaque au corps à corps. D'accord, c'est plus Y maintenant. Ah, j'ai un petit couteau. Ça, c'est bien, ça. C'est ce qui manquait au 1. Une arme comme ça, classique, qui ne nécessite pas de munitions. Pièces détachées, divers composants utilisés pour... Améliorer les armes à un établi. Ah, ça aussi. On peut améliorer les armes. Ça.
Par contre, ces caisses-là, on ne peut pas les casser. Ok. Quelques petites nouveautés à noter, c'est bien. Continuons. Est-ce qu'on pourrait prendre la voiture, tiens? Parce qu'avec cette grande map, normalement, on peut conduire, hein? Comment ça, grimper? Mais je veux pas grimper sur la voiture! Il est débile, lui! Bon, bah, on dirait qu'on peut prendre la voiture, mais... Il y a juste écrit grimper, d'accord, tant pis. On va le faire à pied. Oula, ça tire, ça tire. Là, là-bas. Oula, 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 oula. Me dis pas que c'est des... C'est des espèces de zombies, hein. Ah bah si, je crois bien, hein. What the fuck? Oh, c'est des agents de Mobius. Non, mais relève-toi, non. Ouf. Ouais, ouais, lui, il était sur les photos, je m'en rappelle. O'Neill. Oh, ça fait plaisir, ça, ça. Ah non! Ok, bon, bah, il reste plus qu'O'Neill. Il est dans cet appartement-là. Donc ils sont pas tous morts. Ouais, ça c'est bon. Merde. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Alors discrétion et attaque furtive. Ouais, le mode furtif, on connaît, c'est bon. Bon, comment je vais... Waouh, 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 il est venu jusque là. Ok, bon, bah, ce qui est sûr, c'est que je vais pas aller ici. Salam alaikum, les petits. Ok. On va prendre ça. Les bouteilles. Lancer les bouteilles peut faire suffisamment de bruit pour distraire l'ennemi. Vous pouvez équiper des bouteilles dans l'arsenal. Après avoir acheté l'aptitude Tesson, vous pouvez vous servir des bouteilles pour échapper à l'étreinte de vos ennemis. C'est bon à savoir. Lui, je vais le laisser se délecter de ce délicieux cadavre. Et on va aller tuer juste celui là-bas. J'espère juste qu'il va pas me voir. Normalement, vu qu'il se régale, hein, il devrait pas me capter, hein. J'arrive, bouge pas, bouge pas, bouge pas, petit, bouge pas, petit, bouge pas. Bouge pas, petite merde. Allez, ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Ouvre-moi. Oh putain. Oula, oula, oula. Adios. Adios. Voilà, bah là, c'est sûr qu'ils rentreront pas. Ouf. J'espère que ça tiendra. Bon, maintenant, il faut que je trouve l'agent. Et on va commencer aussi à fouiller, parce que là, vu la masse d'ennemis, c'est fini, là. Il me faut de la munition. C'est bon. C'est reparti. La salle de bain, il y a quelque chose. On peut même pas passer. Wesh. Frère, pousse ça, là. Ok, ça veut pas. On va te faire foutre. Hop, 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 hop. N'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais... ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je suis au courant.
Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez! Ou je tire! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Abruti. Je vous l'ai dit. Nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Chapitre 3, Résonance. Et donc, là, il y a des nouvelles sortes de cinématiques. On dirait qu'on peut... Ouais. C'est interactif, quoi. La mission à propos de votre équipe. Bah tiens, à propos de votre équipe. Vous étiez 5 dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez. Vous avez dit étiez. J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez. Je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Ok. Je vais pas vous faire tout, mais... Vous savez où je peux trouver des armes ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Début de la mission Signal Rebelle, ça, on dirait des missions secondaires. Comme quoi, c'est assez intéressant. Déjà, les dialogues sont intéressants, peu importe ce qu'on demande. Quelque chose de plus puissant. Les choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes.
Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Oh, cool. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Ok, bon, on s'en fait un dernier, mais quand il y aura d'autres personnages, je pense pas que je vous ferai tout. Ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Ouais, bah putain, les dialogues sont super quoi. Autant dans certains jeux, voilà, c'est du blabla inutile, mais là... La prochaine fois, je vais tous me les faire. Alors, déjà on sauvegarde. Et on va continuer. Hein. Alors juste par contre, ce qui est chiant maintenant, c'est qu'il y a des missions secondaires. Donc là, ça va me rajouter du truc. Boire du café restaurera la totalité de votre santé. Les cafetières préparent automatiquement une nouvelle tournée de café après utilisation. Mais cela nécessitera... Ah, c'est cool ça. Moi, je disais qu'une bière, ça peut restaurer la santé, mais finalement, ça sera le café. Un petit kawa. Allez, on se prend un petit kawa. Hop là. Trop bien ça. Et bien chaud en plus. Hein. Ah. Pur arabica. Ça détend. Ouais. Alors, table de craft, c'est établi. Vous pouvez utiliser les établis pour fabriquer des munitions et des objets avec des composants. Oh, trop bien. Trop bien. Comme ça, je serai jamais en manque de munitions. Ou pas. On sait pas. Alors, fabrication. Amélioration. Alors, déjà, je peux améliorer. J'ai trouvé des plantes, moi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce que j'ai là en poudre, je peux fabriquer 5 balles, c'est ça? J'ai 19! Moi, je peux me faire un vrai truc, là. Ok, et ça? Ah, j'en ai pas, d'accord, ok. Et amélioration d'armes, ça se passe comment, les améliorations? Puissance de feu. Avec les pièces détachées. Ah, d'accord, les pièces détachées, c'est plus pour construire des trucs d'arbalète, quoi. Ah bah je vais augmenter la capacité de munitions je pense. Ah ouais mais non ça coûte 20. Ah ouais mais en fait là j'ai que dalle. Ah ouais j'ai que 5 ouais c'est pété hein. Je me casse, je sers à rien. Fabrication sur le terrain, sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu. Fabriquer des objets sans utiliser d'établi. La fabrication sur le terrain consomme plus de ressources. Ah. Et ça me permet pas d'améliorer vos armes. Ok bon. En gros, si je suis en manque de munitions, mais que j'ai pas le choix, je peux utiliser justement les... Tiens, bah, plus 15. Voilà, bim, je suis à 30, là. C'est cool, hein, franchement. Sympathique, cette petite nouveauté. Alors. Oh. Eh ben, on va retrouver la... Infirmière là. C'était qui? On va retourner dans le... dans l'hôpital psychiatrique. Ah non. Salle de Sébastien. D'accord. Bah pourquoi elle est apparue elle? C'est ça le truc pour améliorer son perso? Laissez-moi sortir! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur.
Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez, comme avant. Lourd! Ah bah voilà, le gel vert, il sert à bien à quelque chose. Améliorer quoi? Il y a beaucoup de trucs maintenant. Waouh, coûte 1500. Oh, je suis pauvre moi. J'ai que 900, frère. Ah, tu me donnes des trucs, mais je peux pas. Ouais, je peux rien faire. Hein. Tant pis. Je peux vous parler? Je ne comprends pas. Cet endroit. Vous. C'est comme Beacon. Mais ce n'est pas Beacon. C'est Union. Ah bon? Ça me paraît familier pourtant. Ces murs, cette chaise, vous. Pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. Ouais, bon, bah, je me casse, c'est bon. Bah, dis donc. Je sais pas si c'est des souvenirs de... The Evil Within 1. Monsieur le chat, une petite lettre pour moi. Non, c'est le projecteur, non, bon, c'est rien. Ça sert à rien de fouiller, alors on se casse, hein. On se casse, monsieur le chat. Salut. Prochaine fois, ramène-moi des munitions. Blanc d'O'Neill. Bon, bah ça, c'est très étrange de revoir l'infirmière, là, Tatiana. Allez, on part un peu à l'aventure quand même, on sort. Plus personne. Sortez, utilisez votre communicateur pour traquer la voix de votre fille. Comment on l'utilise? Ah bah voilà. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Alors, localiser. Lorsque le communicateur se trouve dans le champ d'un point de résonance, une onde apparaît dans le coin supérieur à gauche de l'écran, là-haut. Déplacez le communicateur pour trouver le signal et le capter. Alors j'ai un signal qui est plutôt vers l'avant. Ils sont trop nombreux. Charlie dans le Jets, on a déjà vu pire que ça. Et cette fois on est mieux armé. Enfin, on sera quand même en train de récupérer les caches d'armes. Allez. Ah ok, c'est un signal rebelle, donc ça c'est une mission secondaire. Et ça c'est le signal de ma fille. C'est plutôt loin. Enfin, mais c'est la voix d'enfant. Ouais. Bon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Ok. Bon, nous on va... pas s'attarder sur les quêtes secondaires. Ça, je les ferai peut-être hors caméra. Nous, on fait que la quête principale. Oh non, ça va pas recommencer, la ville qui se détruit, là. Ah bah, ça tombe bien, c'est le côté où il y avait tous les zombies. What the fuck? Dans Inception, mon gars. Bon, alors, le signal, il était vers là-bas. Hein. Ah non. Bah là, il y a un autre signal qui vient d'apparaître. Localisé. Ok, c'est des pièces de rechange. Nous, on va aller par là. Donc, dans l'église. Je veux... On vous pardonne, pas de soucis. Oh Seigneur, de grâce. Je sais que j'ai péché, mais pas ça. Je veux faire. Je suis désolé. Pardonnez-moi pour mes actes. De grâce. Est-ce que ça va? Pardonnez-moi. De grâce, pardon. Je ne ferai plus. Pardonnez-moi. J'espère qu'il n'est pas infecté, hein, ce con. Oh! Mon père, ça va? Ah ouais, non, là, ça va pas du tout, là. Oh.
D'accord. Mon père, levez-vous. Arrêtez de faire genre. Calculé. Enfoiré. Oh là là. Je suis dans la merde. Ah, c'est moi qui joue. Icône d'état d'alerte. Lorsqu'un ennemi commence à vous détecter, une icône d'état d'alerte en forme d'œil s'affiche en haut de l'écran. L'œil apparaîtra entièrement ouvert si l'ennemi vous découvre. Lorsqu'un ennemi commence à soupçonner votre présence à cause du bruit que vous faites, les images sonores apparaîtront. Ok. Ouais, bah merci d'ouvrir, hein. Ouah ! Mon père ! Foutez-moi la paix, mon père ! Oh shit ! Salut ! Putain, ils sont puissants, hein ! Ouah, 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 ouah ! Et attends, je vais devoir activer l'aide à la visée, c'est pas possible. Je sais que c'est un truc de noob, mais là, les ennemis, ils sont chauds, hein. Regardez ! Je peux même pas les viser, mon gars ! Tiens, bim ! Ah, c'est super chaud, hein. Mon père, calmez-vous. Ah, mon père, oh, je pouvais le frapper, sa mère. Oh, j'ai déjà plus de vie. Wesh, frère, j'ai plus de vie. Oh, shit. Oh, my God. Bébé. Ah ouais, je vais activer l'aide à la visée, là, c'est pas possible. Il y a un truc là, en dessous. Examinez. C'est quoi ça? Poudre à canon. Cool. Waouh. Alors attendez, aide à la visée, c'est où ça? Il est là, tac, activé. Voilà. Ça va, c'est rapide. On va prendre une bouteille. Il faut débloquer la capacité Tesson aussi, j'avais vu, ouais. Apparemment, ça libère de l'empreinte d'un ennemi. Tiens, oh, c'est bien. Il y a plein de trucs à fouiller, en fait. Hein. Ouais, un ennemi. Il y a un ennemi. T'es mort. Ouah, 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 j'ai fait quoi, là? Il tient un pauvre... Oh, d'accord, il met juste les corps comme ça, d'accord. Ah, il y a le petit icône de l'œil. Oh là, 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 là. Mais non! Il est con, celui-là! Tiens, descends. La tristesse du combat. Il n'y a pas d'aide à la visée, là, hein. Quelle aide à la visée vous avez mis, là? C'est quoi, cette connerie? Wouah, j'ai plus de vie. J'ai plus de balles. Mais c'est quoi, ce bordel? Oh là 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 là. Attends, elle me voit plus. Elle me voit plus. Oh. Mais il est 10 fois plus dur que le premier, hein. Les combats, là, ils sont costauds, hein. Allez, viens là. Elle va se retourner. Ouais, t'as vu comment il bouge? C'est trop. Mais c'est impossible. Elle bouge de ouf. C'est impossible. Ah non! Tourne-toi, je te plante. Oui. Mais comment elle se déplace de ouf? Ah! Voilà! Putain. Ouais, j'ai déjà plus de balles, mon frère, c'est trop. Ce jeu va être très 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 difficile. J'ai
j'ai mis en plus difficulté survie, moi j'ai fait un petit peu le warrior je pense. C'était pas du tout là le signe. On dirait que le padre s'est pas laissé faire. Tiens, tiens. Une statue avec une clé. Les clés servent à ouvrir les casiers, d'accord. C'est bien ça. Oh, bah c'est ça les herbes qu'on peut prendre. D'accord. Cool. Bon, en gros, ici il y avait rien quoi. Je me suis fait douiller moi. Ouais, oh, le signal il est toujours derrière. Allez hop. Oh oh. Sinon t'es pas décidé à bouger, non? Non mais je crois que c'est pas par là de toute façon. C'est plus vers là-bas. Une hache. Elle peut tuer instantanément certains ennemis mais se brisera après la première utilisation. Ouais, ouais, comme dans le premier. Ces choses entassent les corps ici. Et pourquoi? Très bonne question. Alors on continue. Il y a un réseau inconnu, opérateur de Mobius décédé, des balles de pistolet. Ah mais il est juste là d'ailleurs. Non, tous les agents de Mobius se sont fait défoncer le trou de balle. Hein. Ils sont tous morts. Poudre à fumer. Cette poudre sèche émet de la fumée lorsqu'elle est exposée aux flammes. Ce composant peut être utilisé pour des objets utiles. Bon, par contre, je vous annonce, hein, là, je vais faire que fouiller. Hein. C'est fini maintenant. Là, vu comment les combats ils sont difficiles. Puis je dois prendre un petit peu le jeu en main, parce que c'est pas parce que j'ai joué au premier que c'est plus facile. Parce que là en fait c'est. Tout est changé. Hein. Oh seringue, ça fait du bien. Oh, Dieu bénisse. Passer un sale quart d'heure lui. Pas passer? Non. On sait jamais. Hein. Carrément, il y a une trappe. Ça va m'amener où tout ça là? Fusible, petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électronique. Malheureusement, il peut pas servir à réparer les boîtes de sneak. Ok. Je sais pas du tout si c'est par là que je dois aller. Mais en attendant, on y va. Hop là. Waouh! C'est quoi ça? Maintenir, aller à la moelle, armurerie. Oh. Cet ordinateur fonctionne toujours. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Oh. Chelou ça. Hein? Maintenir, aller à la moelle. Bah c'est bon, depuis tout à l'heure je le fais frère. La moelle armurerie. Qu'est-ce que c'est que la moelle? Oh. C'est une cache de Mobius en fait, c'est là où ils cachent leurs armes. Ouais, bon voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout. C'est quoi ce bordel là? C'est super grand en plus. Il y a même un plan. Bon, je suis ici là, c'est pas l'étoile.
Voyons si c'est aussi gigantesque que ça. La moelle. Ok. C'est trop. Ça, ça doit s'ouvrir plus tard. Ça. Wow. Ah! What the fuck? C'est une planque de Mobius, mais il y a quand même... hein. Vas-y, je m'en bats les couilles, j'y vais. Hé hé! Wow! Elle s'est défendue! Viens là! Viens là, ta grand-mère! Voilà! Ouais, genre, elle, le coup de couteau, ça lui a rien fait. C'est trop. Mais moi, je crois que c'était une zone tranquille, hein. C'est quoi ce bordel de merde? C'est pas du tout tranquille ici. Je sais pas du tout où on est. Tuyau métallique, un bout de tuyau en acier un peu rouillé, pas très utile en tant que gourdin. Et puis, vous avez des armes à feu. Ok. Ah oui, on veut de la caisse. Voilà. C'est beau ça, c'est beau. Oh, il y en a plein encore. Oh, il y a des mecs là-bas. Voilà, on n'est plus du tout dans la quête principale. Je crois, en tout cas. Je sais même pas si mon communicateur il marche. On va le tester tout de suite. Ouais, il n'y a même plus de signaux. Il n'y a plus rien. J'entends quelqu'un qui frappe. Il s'est arrêté, ce bâtard. Oula! Ah bah, il va le manger. Bah, qu'il le mange, c'est très bien. Continue, 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 continue. Viens là! Putain, c'était un agent de Mobius encore, je crois. Y'a rien là-dedans. Mobius, avec une gros cadenas. Moi, j'aimerais bien savoir, ça sert à quoi cet endroit et pourquoi... Ouh. Ah. Ça brille. Examinez boîte à fusibles hors service. Vous pouvez réalimenter temporairement les boîtes à fusibles hors service en tirant un carreau électrique dessus. Avec l'arbalète, ouais, mais j'ai pas l'arbalète encore. Hein. Par contre, une fois que je l'aurai, ça sera un carnage. Hein. Faites pivoter LS pour ajuster la hauteur et la largeur de l'ongle. Voilà, voilà, voilà. Là, je les ai là-haut. Voilà. C'est bon. Balle de pistolet, ok. Oh, mais donnez-moi des nouvelles armes. Wesh, tous les casiers, ils ont été vidés, mon frère. Ah non, mais dites pas que c'est des caisses comme dans le 1 où tu ouvres et il y a une munition. Oh, oh. Ah, ça fait plaisir. Pas de refus. Eh ouais, mon gars. Ah bah là, c'est mieux. Je me sens mieux avec un fusil à pompe. Bim. Bim. Voilà, bébé, ça c'est bon. Et bien voilà. Vous pouvez pas faire mieux là. Bon, par contre, pour revenir, faut que je me retape tout là. Oh, les relous. Oh merde. Alors, par contre, on va se calmer, madame. On va se calmer de suite. Oula, comment elle crie, hello. Hey.
Ah, franchement, les cris des personnages là, enfin des ennemis, ils font vraiment flipper. Bon, bah j'ai un fusil à pompe. C'est parfait. On va remonter à la surface et puis on va s'arrêter là. Hein. Là, ça sera un deuxième chapitre consacré. Comment dire? Enfin, c'est le deuxième chapitre, deuxième vidéo. Ouais, ouais. Ok, ok. Ok, les gars. Ouh. Ouh. Voilà pourquoi je voulais le pompe. Parce qu'au moins, il déblaye bien, lui. On rigole pas avec un pompe. Bon, bah, finalement, en fait, il y a peut-être d'autres choses à faire. Non? Il se passe comment, cet ascenseur? Ah, c'est pas un ascenseur, en fait. D'accord. Ouais, douillet. Enfin, c'est un ascenseur, mais il doit pas marcher. Bon. Bah écoutez, on revient en arrière. En fait, je crois que c'est des zones. C'est des zones où tu dois faire un espèce de petit chemin comme ça avec quelques ennemis. Et au final, tu découvres une arme. Et donc, ça, c'est ce genre de zone, ça me plaît bien. Et ouais, il n'y a pas de souci si vous voulez que j'en refasse. Hein. Il n'y a pas de souci. Et là, du coup, on revient dans le jeu. Ok. C'est sympathique, ça. Je sais pas si c'est exactement ça, mais si c'est ça, c'est un bon système. C'est une espèce de mini-niveau. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. Pour débloquer une arme un peu plus cheatée. Enfin, c'est pas vraiment cheatée, mais... Voilà, une arme, quoi. Bah écoutez, moi, on va s'arrêter une fois qu'on sera revenu, parce que là, le chargement est un peu long. Je vais sans doute revenir là où on était tout à l'heure. On va s'arrêter là. Je vais voir si je fais les missions secondaires hors caméra. Comme ça, on pourra attaquer vraiment l'histoire, là, on pourra aller voir, suivre le signal de ma fille, de Lily, convenablement, avec des munitions, des bonnes armes, etc. Parce que là, c'est un peu la galère, vous l'avez vu. Puis il faut que je me prenne un petit peu le jeu en main. Donc, on va se quitter ici. Voilà, juste tac. C'est un peu relou par contre les chargements, je vous cache pas. On a quand même installé le jeu sur disque dur. C'est pas pour se taper des chargements aussi longs. Voilà. Tac, on remonte. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, on s'arrête là. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a pas trop ennuyé, entre guillemets. Puisqu'on n'a pas trop avancé dans le scénario. Mais voilà, ça me permet de découvrir le jeu. Juste attendez. Hein. On vérifie tout de même. On vérifie tout de même. Bonjour madame. Ah, j'ai disparu, arrête. Je pouvais pas vous quitter. Ta gueule! Ta gueule! Yeah! Oh, je crois que je lui ai éclaté la tête, non? Ah oui, je lui ai éclaté la tête, mais elle s'en bat les couilles! Elle s'en bat les couilles! Ouais, je vais mourir! Attends. Oh, elle esquive. Oh! Mais attends, je crois qu'il y en a un autre. Il y en a un autre, là. Qui me voit là? Il y a toujours l'œil qui est activé. Ok, c'est bon. Tout le monde est mort. Non, il y a un œil. Lâche-moi ça! Lâche-moi ça! Eh ben putain! On pouvait pas mieux terminer la vidéo. Ouh! Ramasse l'arme. La hache là, elle est où là? Elle a même pas. Les bâtards quoi. Bon, je vais vite retourner à la planque, me boire un petit kawa, sauvegarder tout ça. Et on se retrouve vraiment pour l'histoire principale. Merci de m'avoir suivi. Tchuss !